Enfant de la terre, samedi 8 février, un petit peu gris, ciel bleu quand même, mais bon, il fait agréablement doux, bizarrement doux dirais-je, pour un mois de février. Limite je me demande pourquoi je suis en train de faire une serre enterrée, vu le temps qu'on a en ce moment. J'espère que tout va bien, à l'heure où la terre est attaquée par un virus, des virus d'ailleurs, parce qu'apparemment même les tomates vont être attaquées par un virus, et intérêt à bien les couvrir. Comme quoi, on est quand même balèze, hein, nous les hommes, hein. On fabrique des virus. Mais bon, bref, je vais vous montrer voilà, la nouvelle, la Wallipini, mais je pense que là, ça va être l'étape ultime. Je ne toucherai plus à rien. D'ailleurs, j'en ai un peu plein les bottes, enfin même les bras. Allez, on y va. Allez, allez, voyons voir ce que ça donne. Hop, voilà. Alors j'avoue, ça fait un peu plus propre. Alors ici, par contre, voilà, je vais quand même continuer de gratouiller l'allée, parce que forcément, à force de faire des voyages avec des brouettes de terre, j'en ai mis un peu, donc j'ai perdu un peu de hauteur. Mais voilà ce que ça donne, une petite serre bien sympathique, et beaucoup de hauteur déjà pour mes plantes. Alors pour ceux qui se souviennent, il y avait juste un chemin central, et puis après, les côtés, c'était à hauteur des fenêtres pratiquement. Là où vous voyez tous les cailloux qui étaient pas si on peut voir la poubelle hein, pas si enterré que ça mine de rien, là où je comprends maintenant pourquoi les racines prenaient pas ou les légumes évoluaient pas, voilà, vous voyez la différence. Bon, celui-là j'ai laissé parce que j'en avais un pet, voilà, il y avait allez 5-10 cm de terre, même pas, et après on tombait sous le caillou et là il y en avait un ici aussi et quelques-uns un peu partout, surtout dans cette partie à partir de ce rocher là que lui j'ai laissé aussi d'ailleurs. Donc la terre, bon, beaucoup évacuée à l'extérieur, j'en ai fait des zones aussi, j'en ai laissé ici du coup avec les petits cailloux, tout ça vient de la serre hein. Tous ces cailloux viennent de la serre hein. Viennent d'ici, voilà. Alors j'ai fait une petite parcelle tranquille, et ici pareil, donc là j'ai bien un bon 20-30 cm de terre, bien meuble du coup, où je me suis permis d'y jeter des graines de radis, carottes, là il y a du panais, betterave, salade, la batavia, betterave, navet bien sûr, enfin tout ce qui est racine, et qui prend pas assez vite, mais qui prend assez vite, sachant qu'ici, là sans soleil, j'ai 15 degrés, là pareil, des choux, des fèves, et ça c'est ce que j'avais fait comme j'avais attaqué ici en premier, du coup j'avais mis des radis, des navets, de la carotte qui va sûrement sortir après, et quelques choux, et puis ça c'est ce que j'ai retrouvé bien sûr en enlevant mes échalotes en espérant que ça prenne. Ah ouais, et de la mâche là. Ce que je vais faire en perrin ici, voilà, c'est ça, mon citronnier, mon kumka, mon bananier. Il a l'air de faire la tête, mais j'y connais rien, donc je verrai bien. Mais je vois qu'il y a un petit truc bien vert. Donc il a l'air de reprendre. Et lui, il va falloir que je taille, à mon avis, mais je vais le laisser pour l'instant tailler les branches mortes. Il a l'air d'avoir pris un peu le froid, le kumka. Et je me suis permis de mettre des graines de tournesol. À voir. De toute façon, j'ai rien à perdre. Mes fraisiers, bien sûr. Et des fraisiers ici. Que je vais agrémenter, là il m'en manque, et je vais en mettre aussi. Et alors là, un truc, un passiflore bleu, fruit de la passion. Alors je sais pas si j'aurai les fruits, mais en tout cas j'aurai les fleurs, ça c'est certain. Ça craint pas le gel, donc comme je suis hors gel, c'est peinard. Et en plus après, au bout de 3-4 ans, de ce que j'ai lu, il y a des rejets qui se font, donc ça pourrait agrémenter la serre en fleurs, ce qui sera pas mal. Ah oui, kiwi aussi, un kiwi là-bas, et une bouture de kiwi là. Et que dis-je là, ici, si elle prend. Et je crois que j'ai mis une bouture de raisin aussi. Donc voilà, ça sera des plantes pérennes. Et après, si j'arrive aussi, c'est comme là-bas que j'avais retrouvé, c'est mon poivron. Alors il y a des chances que les poivrons restent à l'année. À voir, on verra ça. Ah si, il y avait les tomates aussi, mais là le fait de les avoir bougées, elles sont mortes, mais les tomates, peut-être que j'arriverai à les garder à l'année si elle tient ses promesses, cette serre.
Bon, je vais vous montrer maintenant, vite fait, ce que j'ai fait du restant de la terre et des cailloux. Enfin, ce que j'ai fait, ce que j'ai commencé à faire. Bon, ma dernière brouette de cailloux. Alors, voilà, alors, tous les cailloux, voilà, j'ai fait, ici, vous voyez, toute une zone. Alors ça, c'était les pommes de terre que j'avais à l'intérieur, sous paille, là, qui avaient pris. Du coup, j'ai tout remis là, on verra bien. J'ai fait les petites zones là, voilà, je dois encore en faire une. Et là-bas, peut-être juste un petit parterre, parce que c'est que de la menthe. Ici, un parterre de fleurs, c'est la... Ah, je ne vais pas revenir sur la fleur, tiens. Je ne vais pas revenir dessus. Par contre, ici, voilà, mes oreilles de lapin que j'ai divisé, qui était là-bas, vous vous souvenez, l'année dernière, je me demandais ce que c'était, et j'en ai fait toute une petite, comme là, la zone est vachement large, au milieu, voilà, c'est un truc que je ne toucherai pas, donc j'aurais pas besoin d'y aller au milieu. Et ici, c'est mon chardon bleu, que j'ai déterré et divisé. Alors, je sais pas si c'est comme ça que ça se fait, mais en tout cas, on verra bien. Là, on voit mes filles là, qui sont en train de hurler à la mort. Et puis, après, voilà, tous les cailloux, ce que je fais, c'est que je redresse tous les planches, qui pour l'instant restent des planches, mais ça sera après du tressage en branche. Et puis après, je vais gratter la terre au milieu pour la remettre et creuser. Comme ça, quand il va pleuvoir, ce que je voulais faire, c'est que ça fasse des petits réservoirs d'eau. Vous voyez, que ça part en dessous, en fait. Là, je m'aperçois que j'ai une betterave qui a poussé ici, en plein hors zone. Une rebelle. Donc voilà, ici, à gratter. Donc, je suis en train de confectionner. Donc, à la va-vite, mais juste pour bien délimiter. Et après... du cas dedans, gratter la terre et remettre dans les zones. Et voilà. Donc ici, ça devrait aller vite. Donc, hop, hop, hop. Alors, je trouve que ça fait sympa avec les petits cailloux. Maintenant, j'ai qu'une hâte. C'est parce que là, le problème de marcher, ça fait de la boue partout. J'ai qu'une hâte, c'est de voir tout ça pousser. Et là, si vous vous souvenez, c'était un peu le bordel. Il y avait une armoire qui tombait. C'est une des premières armoires que j'avais mis, où je mettais mes outils. Du coup, voilà, je vais faire une grande zone, comme là-bas, pour tout ce qui est déchets verts. Et puis, il me restera aussi ça à faire pour mes mûriers. Enfin, il m'en reste un petit peu, mais ça va aller. Ça avance. Donc, alors au niveau des semis, vous avez vu à l'intérieur, hein, où je crains pas, moi, tout ce qui est légumes racines. Et mes petits chatons. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ben voilà, Tillet. Ouais, et ben voilà, ma petite jardinière en herbe. Donc voilà, quelques légumes racines à l'intérieur de la serre, laitue bien sûr. Hein. Et puis comme ça, du coup, le fait d'être occupé, j'attends bien mi-mars pour commencer à faire des vrais semis. Bon, ben voilà. Allez, on se suit pour la prochaine. J'ai pas été... Bien sûr, j'ai loupé une vidéo une semaine parce que forcément, j'essaie d'avancer et puis de vous montrer un truc concret quand même. Donc voilà, les amis. Je vous embrasse bien fort. Salut, viens faire. Viens faire coucou. Allez, les gonzesses. Faites coucou. Eh, hey, on n'est plus les gonzesses. Oh, vous êtes mes filles. Allez, je vous embrasse bien fort. Bisous, bye.